Ça, c'est la fièvre. Quand je l'ai trouvée, elle avait une entaille au bras. En soi, cela n'a rien d'alarmant. Mais elle avait traversé un champ d'antiharis toxiques, quelques champignons cavernicoles, et moi, j'aurais de quoi faire. Docteur a intérêt à savoir ce qu'il fait. Ce sont les rouges que je préfère. Vous voulez qu'ils se séparent comme vos amis? Je t'ai promis à papa de veiller sur Riley et toi. Docteur Earnhardt ? Docteur ? De quoi t'as peur, Roger ? T'es fait pour manier un flingue. Grant ? C'est tout ce que j'espérais. Ce docteur est un vrai barjou. Ah, il n'a rien de méchant. Non, il est assez gentil, en fait. C'est lui qui m'a amené ici. Je me suis enfui du convoi. Et après, j'ai dû m'évanouir. Ce docteur m'a sauvé. Oh, c'est bon de te retrouver. Ouais. Ça a été vraiment dur. T'en fais pas.
M'attends là, d'accord? Je vais retrouver les autres. Jess, tu as trouvé ton ami? Ouais. Ouais, elle va bien. Merci, Dennis. Non, c'est toi qui l'as fait. Pas moi. C'est ta victoire. Oui, mais... Où sont les autres? Il y aura un moyen pour les repérer? Tu sais comment je peux faire? Écoute, Jason. Les pirates ont une antenne de transmission par satellite sur le Medusa. En entrant dans la salle des communications, tu auras accès à leur signal. C'est quoi le Medusa? C'est un bateau échoué sur une plage tout près. Et gardé par des pirates? C'est la voie du guerrier, Jason. Si ton corps est prêt, ton esprit suivra. Le tatouage t'apportera son aide.